Les problèmes de santé s'enchaînent pour Patrick Balkany. Depuis sa sortie de prison datant du mois de février 2020, le cofondateur du Rassemblement pour la République, RPR, ne cesse de faire des allers-retours à l'hôpital. Pour rappel, si est-il d'ailleurs pour cette raison que l'ancien maire de Levallois, 92, avait été libéré à la suite de son incarcération pour blanchiment et fraude fiscale. Tout juste sorti de soins après une endoscopie, Patrick Balkany est de retour à l'hôpital. Et sa femme, Isabelle Balkany, s'inquiète, on attend le retour de papou. Reviens vite, a tweeté cette dernière en partageant une photo de leur chien. En avril dernier, déjà, Patrick Balkany avait été contraint de faire un long séjour en soins intensifs de cardiologie pour une insuffisance cardiaque et un œdème pulmonaire. Isabelle Balkany, mon cœur ne tient plus, à peine sorti lundi, Patrick Balkany a de nouveau été hospitalisé ce jeudi 9 septembre, à la suite de complications liées à son endoscopie. La raison ? Après l'intervention de lundi, Patrick a eu des hémorragies importantes, a expliqué sa femme, avouant sur ses réseaux sociaux que son petit cœur ne tient plus. Mais une nouvelle fois, plus de peur que de mal pour Isabelle Balkany et son mari, le chirurgien magique, armé d'une bonne agrafeuse, a cloué le bec des vilains polypes. Deux perfusions plus tard, il rentrera cet après-midi. La femme de l'ex-homme politique s'est même permis une petite blague pour prouver qu'elle gardait le moral, « Il m'engueule car je m'inquiète, donc tout va bien ».